Salut, c'est Quentin du blog Gentleman Moderne. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de la JDG Box, la célèbre box pour les geeks qui a été créée par le Journal du Geek. C'est parti! Donc, ce que j'ai en main, c'est la JDG Box numéro 15. Comme toujours, le Journal du Geek s'est fait plaisir et nous fait plaisir avec plein d'objets geeks vraiment, vraiment cool. Pour commencer, dans la JDG Box, j'ai trouvé ce magnifique t-shirt Millennium Express avec bien sûr le Faucon Millennium. Donc si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan de t-shirts et de tout ce qui est esprit geek, vous allez vraiment l'adorer, enfin moi je l'adore. Et en plus de ça, il est 100% coton, donc il sera agréable à porter et il va pas rétrécir. Ça c'est cool. Ensuite dans cette box, on commence par retrouver évidemment pas mal de paperasse, plus ou moins utile. Il y a une belle carte de film, une carte postale issue de film. Celle-ci, c'est Alien. Elle est vraiment belle. On a ensuite une autre carte où il y a le Journal du Geek qui nous passe le bonjour. Et enfin, on a, ça c'est le manuel de la box qui précise un peu tous les objets qu'il y a dedans. Et on a une recette de Star Wars. Donc voilà, il y avait déjà le Gastrono Geek, un livre qui donnait des recettes de cuisine dans l'univers geek. Ensuite, il y a eu le même pour les potions. Et maintenant, donc, il y a le livre de recettes Star Wars qui sort. Et donc, il y a un petit peu de pub. Ensuite, on retrouve une petite BD des Contes de la Crypte. Donc voilà, le titre est en anglais, mais je vous rassure, la BD est en français. On continue. Hey, ça c'est vraiment mortel. C'est des dessous de verre, mais en version 8 bits, en version Mario 8 bits. Et ça, si vous avez des potes geeks qui viennent boire l'apéro à la maison, c'est vraiment génial. Il y en a des tonnes, il y en a énormément. C'est terrible. Alors, vous allez retrouver un petit nuage, un petit Mario 8 bits, un champignon, un toad, une tortue avec des ailes, un méchant, bref, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y en a vraiment plein, il y en a encore d'autres à côté. Donc c'est génial. Si vous êtes geek, que vous aimez l'apéro, c'est le top. Après, pour un rendez-vous amoureux ou pour recevoir les beaux-parents à la maison, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour vos potes, c'est top. On continue. Un Gundam, une figurine Gundam avec pas mal d'articulations. Alors, moi je suis pas vraiment fan de Gundam, mais en tout cas les collectionneurs, je pense que, et les fans, ça leur fera vraiment plaisir, d'autant que vu l'emballage, je pense que c'est de l'import. Et l'import, c'est toujours mieux. On continue. C'est une magnette dans l'univers Mario. Donc je sais pas si la caméra va faire le point ou pas. Voilà. Donc on trouve beaucoup de choses dessus, une carapace, des pièces, un boulet de canon, une étoile, etc. etc. Une belle magnette, c'est de la bonne cam. Bon, c'est qu'une magnette, mais elle est bien. On continue. Des PES, toute mon enfance. Donc là, on retrouve un distributeur de bonbons PES avec une tête de trooper. C'est top. Et pour finir, ça, c'est peut-être le truc qui me botte le plus dans, de tout ce qu'on a vu. C'est une lentille pour smartphone. C'est-à-dire, c'est un petit clip qui va sur le smartphone et qui permet de, et qui se met en place donc sur l'objectif de la caméra du smartphone et qui permet, bah en fait, il y a même trois lentilles à l'intérieur qui permettent soit de faire un effet fisheye, c'est-à-dire d'agrandir un peu, d'avoir un extrêmement grand angle. Il y a une version grand angle, qui permet d'avoir un grand angle mais sans déformer. Et un objectif macro, qui permet de faire des photos de très près. Alors ça c'est vraiment cool, c'est un truc que je voulais depuis un moment, moi qui commence à passer pas mal de temps sur Instagram notamment, j'avais vraiment envie d'un peu ce genre d'objectif pour smartphone, donc je suis très content de ça. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la JDG Box, il y a un lien juste sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous renseigner un peu. Elle est pas très chère, elle sort tous les deux mois, donc si vous êtes un peu geek sur les bords, c'est vraiment une bonne idée, un petit plaisir à vous faire. Allez, à plus !